يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Mon frère, ma soeur, il y a un certain nombre de choses qui sont des évidences. Parmi celles-ci, c'est que toute personne qui fait le mois de Ramadan, qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait saum du Ramadan, s'éloigne des péchés. La question importante est pourquoi Pourquoi est-ce que pendant le mois de Ramadan, les gens font attention Je me rappelle lorsque j'étais au lycée, et que je n'étais pas musulman, les filles musulmanes ne faisaient plus la bise, mais serraient la main. Les garçons de confession musulmane ne fumaient plus la journée, mais fumaient que le soir. Et même je me rappelle, s'ils avaient une histoire avec quelqu'un, ils disaient, on verra après le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui fait que même parfois des gens qui sont loin d'Allah, c'est-à-dire qui ne prient pas, font un effort pendant ce mois de Ramadan La, la réponse est extrêmement simple la conscience qu'Allah Azza nous voit. Il y a trois degrés dans la foi. Manzilatou, ben Waddaraja, Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Premièrement Al-Islam, deuxièmement Al-Iman, troisièmement Al-Ihsan. Et Al-Ihsan est défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith extrêmement connu qui est connu sous le nom de Hadith Jibril alayhi salam. Al-Ihsan, ta Al le plus haut degré de la foi, c'est d'adorer Allah Azzawajal comme si on le voyait. Et d'avoir la certitude que si nous, nous ne voyons pas Allah Azzawajal, lui nous voit. Et c'est un peu de cela que l'on retrouve dans le mois de Ramadan, dans le mois du Saum. C'est que les gens prennent tout d'un coup... Conscience, tout d'un coup conscience, pardon, du fait qu'Allah les voit. Mais Allah Azzawajal ne voit pas que pendant le mois de Ramadan, mes frères et sœurs. Allah Azzawajal voit toutes choses, à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et il sait même comment auraient été les choses si elles avaient eu lieu. Subhanallah. Allah Azza wa jal, il est celui qui voit à la fois le fond des cœurs. Le fond des intentions, mais il est aussi celui qui voit les actions. Ainsi, l'islam, c'est dans le cœur, la, la parole bien connue ne suffit pas. Tu dois avoir effectivement une, réellement une foi dans ton cœur, mais aussi, bien évidemment, des paroles qui sont en accord avec cette foi. Et enfin, que le tout soit concrétisé par des actions. Par des actions. Allah voit tes actions. Allah voit nos actions. Allah entend chacun et chacune de nos phrases et chacun des mots que nous prononçons. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait tout. Nous nous devons de prendre cet état du mois de Ramadan afin de le retranscrire, afin de le mettre dans nos vies tous les jours, même en dehors du mois de Ramadan. Mon frère, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'Allah azza ne te voit que pendant le Ramadan lorsque tu vas à un rendez-vous avec une fille qui n'est pas ta femme Ma soeur, est-ce que tu penses qu'Allah ne te voit que pendant le mois de Ramadan lorsque tu donnes ton numéro de téléphone à quelqu'un qui a des arrière-pensées très claires avec toi Mon frère et ma sœur, lorsque tu voles, est-ce que tu penses qu'il n'y a que pendant le mois de Ramadan qu'Allah te voit Lorsque tu vends des substances illicites, aussi bien des drogues douces que des drogues dures, que de l'alcool, penses-tu qu'il qu n'y a que pendant le mois de Ramadan que ces actions-là soient haram Détesté d'Allah et rendu illicite. Lorsque tu fumes, lorsque tu fumes de la cigarette ou des drogues, penses-tu que ces choses-là ne sont haram que pendant le mois de Ramadan? Là, Wallahi. Allah a fait en sorte de nous préserver de tous ces poisons et de toutes ces mauvaises choses depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Et pas uniquement pendant un seul mois. Nous nous devons de prendre ce degré de l'ihsan ce degré où on sent qu'Allah Azzawajal nous voit et nous entend. Pour le mettre dans notre vie de tous les jours, et pas simplement pendant un mois, et pas simplement pendant 30 jours et 30 nuits. Jabir ibn Abdillahi, Radiallahu Anhu, nous dit dans une parole Ida Sumta, lorsque tu fais le siyam, faliyasum sam'uk » Avec toi, avec ton corps qui fait le siyam, il y a aussi ton oui qui va faire le siyam, qui va jeûner. Ta vue va jeûner. Ainsi que ta langue qui va se préserver par cela du mensonge. On voit ici que, subhanallah, c'est-à-dire, l'ouïe et la vue sont deux portes qui permettent aux éléments extérieurs de rentrer en nous. Aussi bien par le fait d'écouter des choses au d'écouter des gens qui calomnient, d'écouter des gens qui insultent, d'écouter des gens qui parlent sur les autres. D'écouter de la musique, qui est une chose qui est muharrama, l'instrument accordé avant, la vue, regardez des choses qui sont muharrama, regardez une femme avec laquelle tu n'es pas marié à akhil Karim. Regardez des clips avec des femmes dénudées dedans à Regardez toutes les choses néfastes, et ici on voit bien que la vue et l'ouïe sont des ponts par lesquels les choses positives peuvent rentrer jusqu'à nos cœurs et atteindre nos cœurs, mais elles peuvent être aussi des ponts qui vont faire rentrer des choses négatives vers nos cœurs. Alors quand tu fais siem, ce n'est pas que ta bouche qu'il s'empêche de prendre des mauvaises choses et des pollutions, c'est aussi tes yeux, c'est aussi ton ouïe et c'est aussi ta bouche qui va cesser de dire des choses mauvaises inshallah ta'ala. Ça c'est un saum et ça c'est une chose qui va nous faire changer chacun d'entre nous. On demande à Allah azza wa de faire en sorte que nous comprenions réellement réellement le sens du saum de Ramadan ya Rabbal al alalamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ